Salut Hubert, ça va? Pourquoi tu n'utilises pas le sèche-linge? Bonjour Monsieur Carl Emmanuel Adjovi. Madame veut qu'on sèche les habits sous le soleil. Je peux faire quelque chose pour vous? Tu me vois encore? J'essaie juste de garder la distance qu'il faut entre un patron et une employée. Mais tu n'es pas mon employé, Eva. Mais je nettoie la maison, je fais la vaisselle, je fais la lessive. Et en plus, vos parents me payent pour ça. Mais pourquoi t'es aussi distante avec moi? Est-ce que Monsieur Carl Emmanuel m'a demandé de faire quelque chose dans le cadre du travail que je n'ai pas fait? Écoute, tu sais quoi, j'ai compris, c'est bon, je vais même pas insister. J'ai demandé à Cynthia de venir te parler, mais toi, en fait, la vérité, c'est que tu t'en fous de moi. Fallait me le dire, c'est bon, j'ai compris. Monsieur Carl Emmanuel Adjovi, à quoi tu joues? À quoi tu joues? J'ai pas compris, qu'est-ce que t'as dit? Mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as demandé à ta copine Cynthia de venir me voir. Moi? Et me demander de garder mes distances vis-à-vis de toi. Parce que tu ne veux pas être tentée. Qu'on couche ensemble. J'ai jamais dit. Comme si le fait que j'accepte ne dépendait que de toi. Mais à quoi tu joues? Je ne sais pas de quoi tu parles. À quoi tu Mais joues? Tu veux quoi en fait? Tu veux quoi en fait? Je peux. Arrête! Je peux en placer une cette. Ma vie n'est pas un jeu! Je peux en placer Ma une. Ma vie n'est pas un Mais jeu! Écoute-moi, moi! Eba! Écoute, jamais je ne te manquerai de respect, Eba. Tu m'écoutes? Eba!